Donc, dans cette dernière partie des ateliers d'aujourd'hui, on va faire un travail analytique qui relève de la linguistique pure et dure. Sauf que notre matériau, ce sera bien sûr le roman Eastern que nous avons en commun pendant toute cette semaine. Et je vous propose d'adopter une série de perspectives par rapport aux extraits choisis. Je vous ai envoyé, j'ai essayé de vous envoyer par mail ce matin. Je crois que le document est parvenu à certains d'entre vous. Sinon, je vais vous montrer les extraits progressivement et on va travailler ensemble avec ce que nous avons sous nos yeux à l'écran. Je vous ai envoyé cinq extraits, mais je peux vous dire dès maintenant qu'on ne va pas travailler sur l'intégralité de cette série de petits textes. On va plutôt se limiter, je dirais, à deux textes, à deux extraits, deux premiers extraits ou trois premiers extraits, au cas où nous aurions assez de temps. Et on va travailler avec ces extraits de manière très concrète. On va essayer de repérer dans ces textes quelques éléments linguistiques qui pourraient nous permettre d'éclaircir les intentions de l'auteur en écrivant ce texte et de découvrir aussi les sens cachés dans le texte. Donc, notre cadre, ce sera la linguistique de l'énonciation avec laquelle vous devriez être un peu familier ou assez familiarisé selon le cas. Je crois que pour les étudiants français, ça va aller. Je pense que ce sont des choses que vous avez étudiées. Nous allons nous appuyer sur des choses assez basiques dans la théorie de l'énonciation. Pour les étudiants slovaques, par contre, je suis sûre qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ça, donc vous allez peut-être découvrir. Et pour les étudiants polonais, j'en suis pas sûre, mais vous allez me dire si vous vous retrouvez ou pas dans ce que je vous proposerai comme tâche ou comme question à répondre. On va aborder en partie aussi le domaine de pragmatique linguistique ou de linguistique pragmatique plutôt, un peu en complément. Parce que ce qui va nous intéresser, ce seront les trois choses suivantes. Les mécanismes référentiels, donc on sera dans le problème de la référence. Deuxièmement, ce sera l'implicite, les sens implicites, et avec ça aussi, en relation aux sens implicites, aux significations implicites, on va s'intéresser aussi à l'expression de la subjectivité dans le texte. Et si on y arrive, si on arrive à tout faire, donc on va aborder peut-être en dernier un peu le concept de polyphonie. Donc voici le premier extrait. Les lignes sont numérotées, il n'est pas long et c'est l'extrait que vous connaissez, je pense, parce que vous l'avez étudié avec ma collègue Monika Zdrivcová lundi, je pense. Donc, on va revenir à ce petit texte qui se trouve tout au début du roman Eastern. Et vous savez peut-être comment on appelle
le début des romans. Vous connaissez peut-être le terme qui est utilisé pour ça, pour désigner le début de roman. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce terme? C'est un terme Je crois qui que est... je l'ai mentionné même dans le Oui, livre. j'imagine que vous êtes passé par là. Donc, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est aussi... On va voir comment vous avez écouté Monica lundi, si vous vous souvenez ou si vous ne vous souvenez pas aussi. Donc, on va s'en faire une image de comment de ce que vous avez retenu. Alors, on dit que c'est l'incipit du roman. Alors, ma question est simple. Je vous prie de regarder ce petit texte et de trouver les expressions de lieu dans ce texte. Les expressions de lieu. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait commencer dans les premières lignes de ce texte, disons dans la toute première ligne? Quelles sont les expressions qui dénotent, qui se réfèrent à des lieux, à des endroits? Donc, par exemple, Michalovce, La Slovaquie de l'Est. la Slovaquie de l'Est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la deuxième ligne? La Pologne. La Pologne, L'Hongrie. la Hongrie. On a aussi les expressions comme honneur, ça c'est aussi des expressions qui localisent, donc honneur au sud dans la deuxième ligne. Il est Dans la à 30 km. à 30 km, voilà, parfait, à 30 km. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est surtout les deux, trois premières lignes qui sont chargées de ce type d'expression, mais aussi, disons, dans les lignes plus tard, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au moins une expression ou deux. Les dénominations des lieux, on cherche. On peut dire aussi chez eux, c'est aussi la dénomination Oui, dans ce c'est vrai. contexte. Oui, chez eux, tout à fait. Quoi d'autre? Oui, dans ce que nous avons repéré, il y a deux types d'expressions. D'un côté, il y a les noms des villes, des États, des pays, etc. Et de l'autre côté, il y a des directions, il y a des expressions telles que vers l'ouest dans la ligne 4, vers l'ouest. Les migrations se sont faites vers l'ouest. Donc, ce sont des expressions qui ont le statut des circonstants du point de vue syntaxique. Ce sont des compléments circonstanciels dans les phrases. Donc, c'est leur rôle syntaxique. Donc voilà, d'un côté les circonstances, de l'autre côté les dénominations à caractère toponymique, donc les noms des endroits, qui n'ont pas le rôle de circonstants, mais qui ont toutes sortes d'autres rôles syntaxiques dans les phrases. Par exemple, une petite ville de la Slovaquie de l'Est. Oui, on ne pourrait pas dire en l'absence du verbe de quoi il s'agit, mais disons que l'ancien empire austro-hongrois, on n'a pas repéré cette expression-là pour l'instant, dans la ligne 8, l'ancien empire austro-hongrois était multinational. Alors là, cette expression
n'est pas le complément circonstanciel, c'est le sujet de la phrase. Donc, il y a deux types d'expressions, les circonstants et puis les sujets ou autre chose dans la phrase. Disons, si on prend les toponymes que vous avez trouvé Michalovce, la Slovaquie de l'Est, la Pologne, la Hongrie, l'Empire austro-hongrois, qu'est-ce que c'est comme mécanisme référentiel qui est derrière, qui est employé, qui est en œuvre quand on utilise ce type d'expression? Quel type de référence c'est? Est-ce que les étudiants français sauraient me dire de quoi il s'agit? Quel type de mécanisme référentiel? On a trois types de mécanismes référentiels en principe dans la langue. Et les différences entre ces mécanismes référentiels, elles sont liées au rôle du contexte. Au rôle du contexte. La référence, pour vous rappeler, la référence ou la mise en référence, c'est le fait de connecter le mot à un objet ou à une entité qui existe dans la réalité du monde extra-linguistique. Donc, quand vous faites le lien entre un mot et quelque chose qui existe, qui a une existence dans le monde, c'est la mise en référence, c'est le fait de faire référence à quelque chose. Donc, il y a trois manières dont les mots font référence à des réalités. D'un côté, il y a les mots pour lesquels vous avez besoin de la situation concrète. Ce sont les mots comme « je ». On ne saurait pas dire « qui dit je » si vous n'êtes pas dans la situation où le mot est prononcé ou quelqu'un prononce ce mot. Deuxièmement, il y a des mots qui font référence grâce à d'autres mots dans le contexte linguistique, textuel. Et troisièmement, il y a des mots et des expressions qui n'ont pas besoin du contexte du tout. Et pour ces mots, la référence est toujours la même, ne dépend de rien dans le contexte. Alors, si vous avez les dénominations des endroits, on est dans quel mécanisme de référence, selon vous? Donc, elles n'ont pas besoin d'aucune référence? Oui, elles n'ont pas besoin de contexte pour faire référence, parce qu'en fait, Michalovce, comme Slovaquie, tout comme la Pologne ou la Hongrie, ce sont des mots qui font leur référence, qui construisent leur référence toujours de la même manière, et leur référent est toujours le même, il ne change jamais. Donc, Michalovce, ça va toujours faire référence au même endroit. Le référent ne va jamais changer. La Hongrie, pareil. La Pologne, pareil. Donc, quelle que soit la situation où on prononce ces mots, quel que soit le texte dans lequel ils apparaissent, leur référence sera toujours, on va toujours penser à la même, au même endroit, en fait. On va toujours avoir en tête le même pays ou la même ville, le même lieu. Donc, ces mots, en fait, fonctionnent à la base de la référence absolue, indépendante du contexte. Est-ce qu'il y a dans ce texte des expressions qui sont basées sur un autre type de mécanisme référentiel que la référence absolue? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes référentiels en œuvre ici?
Vous avez dit à 30 km, vous avez dit. Il y a des mots comme l'est à 30 km qui sont dépendants d'un point référentiel. Oui, donc il y a l'expression comme à 30 km pour laquelle nous avons besoin de s'appuyer sur un autre mot dans le texte. Et notamment cette expression dont nous avons besoin et qui figure déjà dans le texte précédent, c'est donc à 30 km Une de quoi? frontière ukraine Oui, ukrainienne. la frontière ukrainienne, elle se situe à 30 km de Mykhalovtsé. Alors. Oui. Donc, c'est par rapport à Mykhalovtsé qu'on situe la frontière ukrainienne. Donc voilà, ça c'est la référence relative, parce que nous avons besoin du contexte linguistique, donc quelque chose qui a été déjà dit ou qui sera dit après. Et est-ce qu'on a également une expression pour laquelle on aurait besoin du contexte situationnel. Une expression qui change de référence selon la situation. Et on est dans l'expression de lieu tout le temps. C'est ce qui nous intéresse, l'expression de lieu. En fait, je pense qu'on n'en a pas. Dans ce texte, on n'a que les références absolues en ce qui concerne l'expression du lieu. On n'a que les références absolues, indépendant du contexte, ou bien on a très peu de références relatives. Cette prévalence de cette priorité qui est donnée à la référence absolue, qu'est-ce que ça peut signifier? Essayons d'en réfléchir. Et cette réflexion, on peut la commencer en réfléchissant sur ce début du roman. Je vais vous montrer deux débuts de roman différents. Et vous allez me dire de quel type relève le début du roman Eastern. Nous avons deux incipits différents ici que vous allez peut-être reconnaître, ou bien au moins l'un d'eux, sûrement celui qui est en bleu. Non, bien sûr. Il est très très connu. Donc, est-ce que quelqu'un reconnaît le roman dont le texte à gauche est tiré? Moi, je reconnais, mais je donne la parole aux étudiants. Oui. Ils vont reconnaître, sûrement. Madame Vauquer, déjà, devrait être suffisant. C'est le père Goriot. Oui. Voilà, le père Goriot, c'est l'incipit du roman Père Goriot, qui, vous voyez comment il est, je vais pas en dire plus. Et celui qui est à droite, il est différent. Il est différent. Et celui-ci est peut-être un peu moins reconnaissable à première vue. Est-ce que quelqu'un par hasard le reconnaît? L'auteur de ce deuxième incipit, c'est Samuel Beckett. Samuel Beckett, c'est le début de son roman L'innommable. L'innommable. C'est un roman qui a été d'abord écrit en français. Et puis après traduit vers l'anglais plus tard. Parce que vous savez que Samuel Beckett
Même si il est né en Irlande, il a eu beaucoup de connexions avec la France. Il a passé des périodes de sa vie en France et il a écrit en français. Donc, c'est un peu notre cas, le cas qui nous intéresse ici également. Donc, et il a dans son roman L'innommable, il a donc écrit ce type de commencement qui est très différent. Alors, est-ce que vous pensez que Eastern est plus similaire et plus ressemble plus à l'incipit qui est là à gauche ou plutôt à celui qui est à droite? C'est une question assez facile, donc je suis sûre que vous pouvez répondre. Celui à gauche. Bien sûr, celui à gauche, parce que comme Eastern, dans cet incipit à gauche, tiré du Père Goriot, on a aussi une majorité des références absolues. Des références absolues. On a Paris, on a rue Neuve-Sainte-Geneviève, on a le quartier latin, etc. Donc on a toutes ces références absolues ici. En fait, vous voyez que Eastern, personne insipide, ressemble plus à un roman du type Tradition. traditionnel que à un roman moderne ou postmoderne, moderne, je vais dire, c'est plus juste, même si L'innommable est paru en 1953. Donc, Eastern, qui est contemporain, pourtant, il ressemble plus à un roman traditionnel, Personne insipide. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Andrea Salayovin a opté pour cette manière d'entrer dans son roman qui est plutôt traditionnel, et pourquoi n'a-t-elle pas opté pour quelque chose de plus moderne, contemporain, comme on voit ici à droite? De quoi avait-elle besoin qu'est-ce qu'elle a visé quand elle a choisi cette méthode? Aurait-elle pu procéder d'une autre manière? On peut toujours procéder d'une autre manière, mais ce dont elle avait besoin, c'était de situer l'action, situer le et situer son personnage aussi quelque part, et ce quelque part, il aurait été difficile de faire cette localisation sans les expressions qui faisaient référence à la géographie. Dans la géographie européenne, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile à l'aide uniquement des références déictiques ou des références relatives. Donc, elle avait besoin des références absolues. Elle avait besoin de la géographie, de la toponymie. Même si elle a nécessairement choisi cette méthode, pourtant, on peut dire que c'est le lecteur slovaque qui s'y retrouve bien, surtout, peut-être des lecteurs de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est se retrouvent avec ses références géographiques. Mais pour les lecteurs qui
ne connaissent pas la géographie de la Slovaquie de l'Est, par exemple, qui n'ont jamais entendu parler de Michalovce, de la frontière ukrainienne, etc., ou de l'Empire austro-hongrois, d'ailleurs. Donc, pour ce type de lecteur, pour ce groupe de lecteurs, l'insipide de Sarajeva peut, malgré tout, rester assez opaque, malgré le fait qu'il est bourré de références absolues. C'est le risque avec les références absolues dans la langue, parce que elles sont claires, mais uniquement dans le cas quand on a la connaissance de la réalité extralinguistique à laquelle elles font référence. Si on n'a pas la connaissance géographique suffisante, et alors ces références ne vont pas fonctionner, ces références ne vont pas, ces expressions ne vont pas dire grand-chose au lecteur, et en fin de compte, au lieu de donner des précisions, de référer, de faire référence avec précision, elles vont plutôt créer le sentiment de l'opacité et de l'incertitude chez le lecteur, au moins que le lecteur aille chercher les références géographiques sur une carte ou dans un ouvrage de géographie, etc. Voilà. Si on revient au texte, je voulais aussi attirer votre attention sur les phrases, les deux phrases ou une phrase qui commence dans la ligne 3 à la fin. Toutes les migrations de l'homme européen se sont faites vers l'ouest. Voilà, cette phrase-là. Ou bien, à part des Ukrainiens qui rentrent chez eux, personne ne va à l'est. Toutes les migrations de l'homme européen se sont faites vers l'ouest. Je voulais m'attarder un tout petit peu sur cette phrase et sur sa signification. Parce qu'en fait, déjà dans la première partie de cet atelier, nous avons entendu pas mal de renseignements très très intéressants, je trouve, sur le phénomène de migration dans le contexte slovaque, dans le contexte de l'Europe centrale et orientale. Et je crois que on peut dire que les courants migratoires n'étaient pas toujours dirigés, notamment dans ce contexte de l'Europe orientale, n'étaient pas toujours dirigés que vers l'Ouest. Nous avons entendu parler à la fin de la première partie de notre atelier cet après-midi. On a entendu parler des migrations des Slovaques vers le sud de l'Europe, vers le sud de l'Europe centrale et orientale. Et c'était déjà à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Ma collègue Maria et les étudiantes de la faculté des sciences politiques, elles ont parlé des migrations dans les années 20 du 20e siècle, qui étaient dirigées bien sûr vers les Amériques, mais aussi vers la Serbie, la Roumanie, la Hongrie. En fait, tout ça, tous ces pays d'aujourd'hui, qu'on connaît d'aujourd'hui comme des pays indépendants, faisait partie à l'époque de cet état de l'Empire austro-hongrois.
Et en fait, il y avait de forts courants migratoires à l'intérieur de ce grand État, de ce grand pays, et notamment les gens de la Slovaquie déménageaient, bougeaient, émigraient vers le sud du pays. On avait même à l'époque une étiquette pour ce sud de l'Empire. On disait que c'était la terre basse, la terre basse, Dolná Zem en Slovaquie. Et ce terme existe et fait référence jusqu'à aujourd'hui parmi les historiens et parmi les gens qui sont d'origine slovaque et qui vivent encore aujourd'hui en Roumanie, en Serbie, etc., en Moldavie, en Bulgarie un peu, en Croatie et en Hongrie. Cette migration a commencé beaucoup plus tôt qu'au début du XXe siècle. Les premiers migrants arrivaient à la Slovaque, les premiers migrants slovaques arrivaient à la terre basse. Tout au début du 19e siècle, en 1803, c'était la date des premières mentions de la présence des Slovaques dans cette région de l'Europe. Aussi, il faut dire que, je vais revenir à ce que mes collègues ont dit déjà, c'est qu'aujourd'hui, le statut des Slovaques qui vivent dans ce coin de la Serbie, Roumanie, Hongrie est beaucoup plus différent du statut des Slovaques qui sont allés chercher du travail dans l'Europe occidentale, dans la nouvelle vague, dans la vague la plus récente, disons, qui a été qu'on a témoigné maintenant il y a quelques années et qui est toujours en cours. Ma collègue Maria parlait de diaspora. C'est un terme qui désigne les populations les populations d'émigrés, mais qui n'ont pas acquis de statut politique ou administratif dans le pays d'accueil et qui vivent plutôt comme des familles isolées ou comme des toutes petites communautés isolées, sans représentation politique ou culturel au sens strict du terme, tandis que les populations slovaques qui se sont installées dans le sud de l'Europe centrale et orientale, ce sont des enclaves, et les enclaves, ce sont des groupes qui vivent dans un certain territoire, en tant que communauté plus unifiée, qui ont obtenu une représentation politique, une représentation culturelle et administrative, et qui en général ont le droit à l'éducation dans leur langue maternelle, dans le pays d'accueil, etc. Donc, il y a une différence entre les deux types de migration, mais c'est une nuance assez fine que les historiens et les ethnologues seraient capables d'expliquer mieux que moi, sûrement. Donc voilà pour cette phrase qui, dans la ligne 3 et 4, parle des migrations, mais de manière un peu générale ou générique, sans faire attention à des détails. Ce n'était pas l'objectif de l'auteur, bien sûr, de donner des contextes historiques, d'entrer dans des contextes historiques si fins. Très bien.
Voilà le premier extrait que j'ai préparé pour vous. On pourrait peut-être passer au deuxième. Il est très court, celui-ci, le deuxième. C'est juste quelques lignes qui décrivent comment le personnage principal du roman se promène avec son père dans sa ville natale de Michałowice. Et bon, il découvre tout ce qui a changé pendant les années de son absence. Et donc, il se promène, il voit un magasin qui est fermé. Il s'arrête devant ce magasin. Et donc, il parle un peu de ce qu'il vend de là-bas, qui sont les propriétaires de ce magasin. Donc, une situation assez simple. Assez simple. Ce que je voudrais vous demander, c'est d'observer d'abord, c'est d'observer deux choses. D'abord, d'observer les adjectifs qualificatifs, les adjectifs épithètes qui sont employés dans ce texte, dans cet extrait, donc les adjectifs épithètes. Et puis, deuxièmement, on va essayer de nous concentrer sur les coupures qui sont faites dans la linéarité du texte. Mais alors, d'abord, les épithètes, les adjectifs épithètes. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme adjectif épithète ici? Martin Curieux, oui, curieux. Quoi d'autre? incroyable. Incroyable. Grand orange et rose. Orange et rose. Même si c'est des substantifs à l'origine, ici, ça a valeur des épithètes. C'est des substantifs épithètes. C'est des compléments du nom. Donc, orange et rose, curieux, incroyable, et il y en a. C'est peut-être tout. Il y a aussi le mot convenable, mais. Oui, c'est un adjectif qualificatif, même s'il n'est pas tout à fait dans la position d'une épithète, mais c'est un adjectif qualificatif. Alors, les adjectifs qualificatifs, ils sont appelés qualificatifs proprement parce que, précisément parce que, ils peuvent qualifier, ils peuvent exprimer une qualité, de quelque chose. Une qualité qui est associée à une personne, à une chose, à un objet. Donc, c'est leur trait définitoire de ces adjectifs. Souvent, les adjectifs qualificatifs peuvent être, ils font objet, ils peuvent faire objet de la gradation grammaticalement. Donc, si on prend convenable, donc on peut avoir plus convenable ou le plus convenable, et ça peut être vrai aussi pour d'autres mots, même si bon, orange rose, ça c'est pas le cas de ces mots-là, parce que justement c'est des substantifs, mais disons curieux. Hein? Plus curieux, le plus curieux, ça c'est la capacité d'être sujet à la gradation. Ça parle du potentiel des adjectifs qualificatifs
d'exprimer, bien sûr une qualité, mais il y a aussi quelque chose de plus derrière ça, c'est que chaque personne pourrait percevoir cette qualité de manière de sa, à sa manière. Quelque chose peut me sembler convenable, mais c'est pas sûr que ça va paraître convenable à une autre personne. Donc, les adjectifs qualificatifs normalement véhiculent les charges, les valeurs évaluatives, des valeurs affectives aussi parfois, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Donc, on n'a pas beaucoup de ce mot-là, mais on en a quand même ici. Et on va examiner les contextes dans lesquels ces adjectifs ou mots assimilés, semblables, dans lesquels, les contextes dans lesquels ces expressions apparaissent dans ce tout petit extrait. Et on va examiner ces contextes à travers les fameuses coupures dans la linéarité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là? Qu'est-ce qu'on pourrait voir derrière, derrière les coupures dans la linéarité textuelle? Où pourraient se trouver ces coupures? Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Où est-ce qu'on trouve que la suite des mots est coupée par quelque chose, interrompue par quelque chose dans ce texte? À la deuxième ligne, Ah, Asia c'est la Centrum. deuxième ligne. Ce sont les mots Asia Centrum qui sont coupés du reste du texte. Ils sont coupés de ce qui précède et ils sont coupés de ce qui suit par les guillemets. Et aussi par les signes de ponctuation. D'abord, c'est le deux points et après, c'est le point. Donc, il y a même plusieurs signes de coupure. Ensuite, mais bien sûr, chaque point final coupe les phrases, c'est clair, mais en dehors de ça. Où sont les segments qui sont coupés du reste? C'est le discours direct Et c'est le discours direct. Le discours dans les direct. lignes 4, 5 et 6. Et les trois dernières lignes. Voilà. Le discours direct. Et au sein de ce discours direct, à l'intérieur de ce discours direct, on a un tout petit segment. Entre les guillemets, Made in made China. in China, made in China, qui est encore séparé du reste. Et alors, ma première question, pourquoi Asia Centrum est entre guillemets? Pourquoi Made in China et se trouve entre guillemets? Asia Centrum. Ah, c'est assez explicable, bien explicable. C'est en anglais, par exemple. Oui. C'est le nom de Le nom, l'anglais. c'est le nom du magasin. C'est le nom du magasin. C'est une raison. Et l'autre raison peut être le fait que ce n'est pas en français. C'est dans une autre langue. Je sais pas, je suis pas tout à fait sûre que ça soit en anglais. Asia, oui. Mais Centrum me semble plutôt. Oui, c'est une combinaison de l'anglais et du slovaque. Et donc, oui, deux raisons à ça. Et Made in China, est-ce que c'est le même cas? Est-ce qu'il y a les mêmes raisons?
Non, ce n'est plus le nom de... Ce n'est plus le nom du magasin. Voilà. C'est en anglais, donc c'est peut-être la raison qui est la même. Donc, changement de langue, changement de code linguistique. Mais aussi, c'est l'expression très connue qu'on trouve sur l'étiquette de nombreux justement. Produits. Et c'est une expression très connue qu'on trouve souvent. Oui. Pourquoi on n'a pas, donc on ne la traduit pas? Oui. On ne la traduit pas parce qu'elle est suffisamment connue. On la voit souvent. Ou bien est-ce qu'on peut trouver une autre raison pour ça? On la garde en anglais. Pourquoi on la garde comme ça? On aurait pu dire que c'est fabriqué, que c'est produit en Chine, peut-être. Peut-être que c'est en plus le sens que ça n'est pas de bonne qualité. Oui, il y a une connotation derrière. Il y a une connotation derrière. Et on est là dans l'expression d'une évaluation subjective. Subjective, objective, difficile de dire, mais plutôt subjective, parce qu'on peut avoir des avis différents sur la qualité des produits made in China. Oui, il y a une réaction dans le chat, on le voit partout. Oui, on le voit partout, oui. Donc, c'est une raison, parce que c'est suffisamment connu, c'est compréhensible si ça reste en anglais. Oui, mais il y a aussi cette deuxième raison, et c'est qu'il y a une charge connotative derrière. Une charge connotative négative. Oui, négative. Qu'on peut supposer négative. Oui. Donc, un jugement évaluatif, subjectif, tous les jugements, toutes les valeurs évaluatives ou affectives, tout ça, en fait, c'est l'expression de la subjectivité, on pourrait appeler ce type d'expression porteuse de subjectivité. On pourrait dire que c'est des subjectivèmes, comme on dit phonème, morphème, lexème, etc. On pourrait aussi dire subjectivèmes, donc des expressions qui se trouvent dans le texte et qui portent en soi une valeur subjective, une connotation positive ou négative, d'ailleurs, ce n'est pas que les connotations négatives, mais toutes sortes de jugements qui pourraient être contestés qui risquent de ne pas être pareil chez tout le monde, pour tout le monde. Donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle subjectivème. Ce terme subjectivème a été proposé par une linguiste française, Catherine Kerbrat-Orecchioni, dans son ouvrage L'Énonciation, qui est apparu dans plusieurs éditions déjà. Je ne saurais pas vous dire laquelle est la plus récente, mais ça date de 20 ans, cet ouvrage. Et c'est un ouvrage basique pour la théorie de l'énonciation moderne. Voilà, donc « Made in China », une connotation derrière. Et maintenant, regardons. Nous avons dit que orange et rose, que ça ne peut pas faire objet d'une gradation comme les adjectifs, et non, parce que c'est des substantifs. Mais est-ce que on pourrait associer à ces deux épithètes à ces deux compléments du nom, pour être vraiment précise, est-ce qu'on pourrait deviner une connotation derrière ces deux termes qui expriment les couleurs, notamment quand ces deux couleurs sont coordonnées? Il y a le rapport de coordination entre les deux mots.
Et ça, c'est peut-être la question pour les, plutôt pour les Slovaques, pour les étudiants slovaques. Si on a une combinaison des couleurs orange et rose. Comment cela pourrait être vu, perçu? Est-ce qu'on combine souvent ces deux couleurs quand on s'habille, par exemple? Est-ce qu'il y a cette tendance ou pas? Plutôt orange et rose, c'est plutôt des couleurs qui ne s'associent pas souvent. Et ici, dans ce contexte du magasin chinois ou vietnamien, plutôt peut-être, ça dépend, chinois, vietnamien, c'est peut-être, il y a peut-être une petite connotation derrière. Qui veut dire que les magasins, bon, les magasins de ce type-là sont différents culturellement, ne partagent pas la même perception des couleurs que normalement les Slovaques ont. Donc, il y a une certaine distance culturelle qui est exprimée par cette combinaison, par cette paire de couleurs pour la culture slovaque ne sont pas associées tellement souvent dans ce qu'on porte, dans ce qu'on met comme couleur, etc. Donc, on peut y voir ce type de connotation. Est-ce qu'il y a d'autres mots dans le texte qui sont connotés négativement ou positivement, à votre avis? Est-ce qu'il y a des paroles du père de Martin, par exemple, qui portent une charge positive ou négative quand il parle du magasin? Les mots qui ne sont pas neutres. Il y a une réaction dans le chat, comme avec la connotation négative, le mot pu à la ligne 5. Oui, le verbe puer. Ça pue le plastique là-dedans. C'est incroyable. Donc, le verbe puer, parce qu'on aurait pu utiliser ça sans... Ou autre chose. Ça pue le plastique. Donc, une connotation fortement négative associée à ce magasin. C'est incroyable, mais incroyable dans le sens négatif aussi. Oui, parce qu'incroyable, comment ça pue. Hein? Donc voilà, même le mot incroyable dans ce contexte, parce qu'on pourrait avoir des contextes où ça porterait une connotation positive, incroyable. Hein? Ouais. Oui, mais ici, c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'il y a autre chose, vous pensez? Curieux, ça ne pourrait pas être le connotation positive, disons. Oui, il était curieux de savoir, oui. Ça pourrait être plutôt positif, oui. Et là, on voit que c'est Martin qui peut-être en ce moment n'a pas en tête autant de postures négatives envers une autre
communauté culturelle qui sont les Chinois, les Vietnamiens. Au contraire, son père, c'est quelqu'un qui exprime ce type de d'avis, de position. Aussi, l'expression « il n'y a que des Chinois ou des Vietnamiens, non, il n'y a que… » Il y a la réaction dans le chat, il n'y a que, c'est un peu raciste, non? Oui, voilà, donc, voilà, là, je trouve vraiment que c'est fortement connoté de manière très, très négative. Donc, on pourrait revenir même à l'atelier de ce matin et François nous a expliqué toutes les différences entre toutes sortes d'idées reçues, stéréotypes, etc. Donc, voilà, cette sorte de pensée, vous voyez comment elle est véhiculée par la langue, par le langage, de manière très, très subtile. Il n'y a que des Chinois ou des Vietnamiens. Mais c'est présent dans cet extrait. Vous voyez, on n'a pas. Oui, il y a quelqu'un qui. Oui, il y a une autre réaction, justement de la part de François. Oui, que est réducteur. Oui, voilà. Donc vous voyez un extrait qui n'est pas long, un tout petit extrait. Mais quand on le regarde bien, il est très chargé de connotations négatives. Et ces connotations négatives sont plutôt l'affaire du père de Martine, donc des Slovaques en fait, des Slovaques qui n'ont pas l'expérience de la migration ou de qui n'ont pas leur expérience personnelle de séjour à l'étranger, etc., qui n'ont pas vécu une telle situation eux-mêmes. Très bien, on peut éventuellement passer, on a un peu de temps, on pourrait juste regarder l'extrait 3. L'extrait 3, et en fait... Je l'ai choisi à la fin en fait, mais puis après je l'ai mis dans cette sélection de mes trois extraits pour aujourd'hui, parce que je réfléchissais sur le personnage principal, sur Martin, comment il souvent, ça lui arrive souvent qu'il ne trouve pas ses mots, il ne trouve pas comment s'exprimer devant ses parents quand il leur rend visite. Il a des problèmes à s'exprimer. Ça lui pose des problèmes pour expliquer sa décision de ne pas revenir en Slovaquie à sa mère, par exemple, dans le livre. Donc, il est difficile pour lui de parler, de trouver le langage approprié pour dire, pour raconter son expérience à ses proches, à sa famille. Quand il, ici, c'est dans cet extrait, il retourne en France. Il est dans l'avion et puis il est à l'aéroport. Et les paroles, il semble, lui reviennent, du coup, quand il change de contexte. Et les manières dont ces paroles lui reviennent sont différentes. Il y a d'abord le moment où il est dans l'avion, et puis après le moment quand il est à l'aéroport. Et il y a deux manières distinctes à exprimer ces paroles dans ces deux moments différents. Ça correspond
aux deux paragraphes de cet extrait. Donc, regardons le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. On va observer comment sa parole se construit et quelle est la différence aussi entre les deux manières dont elle se construit, linguistiquement, je veux dire. La polyphonie, vous savez que c'est la présence de plusieurs voix dans le texte. On ne va pas aller dans les détails de cette théorie parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça désormais, mais on va juste observer empiriquement ce qu'il y a dans cet extrait. Alors, il est dans l'avion et au-dessus de notre planète Terre, il se surprit à réfléchir. L'idée de partager tout de même un peu de ce qu'il portait en lui. Oui, il aurait été peut-être bien d'avoir un enfant. Il allait devoir trouver une solution. Il espérait qu'elle se présenterait un jour toute seule, claire comme un ciel de printemps après la pluie. C'est ce segment-là qui commence par le mot « oui » qui m'intéresse spécifiquement. Et ce segment se finit à la fin de la ligne 4, donc c'est ce segment-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que on est dans la réflexion de Martin? On a l'accès, du coup on a l'accès, l'auteur nous donne l'accès à sa pensée. On a l'accès à ce qu'il pense. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire comment on appelle ce type de polyphonie, ce type de discours, on va dire discours rapporté, parce que l'auteur nous rapporte les pensées du personnage principal ici. L'auteur parle de ce personnage en se référant à lui en utilisant le pronom personnel de la troisième personne. Il allait devoir trouver une solution. Il espérait qu'elle se présenterait. Donc, l'auteur parle de son personnage à la troisième personne. C'est une chose qui est sûre. Mais en même temps, nous avons l'impression que nous entendons un peu Martin réfléchir. C'est comme il se disait, je vais devoir trouver une solution. J'espère qu'elle se présenterait. Donc, il y a assez de dualité dans ce texte, dans ce segment seulement. Quand on a la troisième personne, mais en même temps, on a l'impression, notre sentiment linguistique nous guide vers une autre interprétation, vers l'interprétation qui dit que c'est Martin qui se dit ça. Comment on appelle ce type de discours apporté? Est-ce que vous avez, parce qu'on a vu dans l'extrait 2, on a vu le discours direct, on n'est pas ici dans le discours direct, ni dans le discours indirect. On est dans le discours qu'on appelle discours indirect libre, qui se démarque précisément par cette dualité, qui est remarquée que sur une base intuitive chez le lecteur. Il n'y a pas de marque
concrète dans le texte qui permettrait de valider vraiment cette lecture qu'on est dans la pensée du personnage. Donc, la dualité entre la troisième personne du singulier, mais le sentiment d'être dans sa pensée directement. Donc voilà, c'est le premier paragraphe. Et dans le deuxième paragraphe, donc l'avion atterrit et Martin est à l'aéroport, excusez-moi, et il se trouve que son bagage avait été perdu. Et là, ce qui suit, c'est un passage qui rend compte de la réaction de Martin quand il apprend qu'il n'a pas son bagage. Son bagage est perdu. Il fut odieux avec les employés. Personne ne pouvait lui dire pourquoi il n'avait pas trouvé sa valise jaune sur le tapis roulant. Il leur rappela plusieurs fois qu'elle était jaune. Il se moqua de leur esprit fonctionnaire étriqué. Il leur parla même de dogmatisme borné et les employés ne voyaient là aucun rapport. Et puis une phrase à la fin de cet extrait, un responsable appelé en secours l'assura qu'ils allaient la retrouver. Donc du coup Martin commence à parler, commence à s'énerver. Il retrouve ses mots, même si on continuait à lire, on apprendrait qu'après il commence à avoir honte de ce comportement rude. Et l'auteur, ici, dans ce deuxième paragraphe, utilise un autre moyen, une autre façon de rapporter les paroles de Martin. Elle utilise un autre type de discours apporté qui, encore une fois, ne correspond ni au discours direct ni au discours indirect, les deux types de base que tout le monde connaît, ni au discours indirect libre, ni aux autres types qui sont décrits dans les théories du discours apporté. Ici, ce qu'on a, c'est une espèce de résumé de discours apporté à caractère résomptif. Donc, on résume, on fait un compte-rendu du contenu des paroles de Martin. Il fut odieux avec les employés, il se moqua de leur esprit. Donc, on n'est pas capable de reconstruire avec précision ce que Martin a dit exactement aux employés de l'aéroport. On n'est pas capable de revenir en arrière vers ces paroles exactes, mais l'auteur nous fait un compte-rendu. L'auteur résume le ton et le contenu de ces paroles. La seule exception est la dernière phrase qui déjà encore est différente. Un responsable appelait en secours lui assura qu'ils allaient la retrouver. Ça, c'est un exemple de discours indirect classique. Parce qu'on est capable même de reconstituer les paroles de ce responsable d'après cette dernière phrase. Il a probablement dit « Nous allons la retrouver, monsieur, votre valise, etc. Nous allons la retrouver. » Parce que c'est la propriété du discours direct qu'il transforme
les mots exacts prononcés à l'origine, les transforme selon une certaine formule précise, etc. Et à partir de ce discours indirect, il est possible de reconstruire le discours d'origine assez bien, assez fidèlement. Donc voilà un peu de remarques, quelques remarques à propos de la capacité ou de l'incapacité du personnage à s'exprimer. Il y a beaucoup d'endroits intéressants de ce point de vue dans le roman, et ça mériterait une analyse approfondie, c'est sûr. Bien sûr que si ces trois extraits vous ont donné un peu envie de relire certains passages ou de réfléchir sur certains passages, c'est un plaisir pour moi, j'en suis contente. Et je vous laisse encore un peu d'espace, si vous voulez, pour vos remarques ou vos commentaires par rapport à ces trois extraits qu'on vient de voir. Si vous sentez qu'il y a que vous avez des remarques à apporter. Je sais que vous êtes super fatiguée après cette journée longue et pleine de travail analytique. Mais pour moi, je dois dire que merci Katka pour nous avoir ouvert de nouveau de nouvelles pistes de réflexion à l'aide vraiment de l'observation des moyens linguistiques très très précis, qui peuvent nous amener vraiment à des réflexions très, très intéressantes, c'est-à-dire que vraiment de montrer comment, par exemple, dans cet après-midi, on a pu découvrir qu'un texte littéraire peut nous amener à pouvoir parler de notre pays à quelqu'un d'autre, par exemple, du point de vue des relations internationales, de la politique globale, disons. Et puis, tes remarques vraiment... tes pistes d'observation, tes propositions pour pouvoir observer dans un texte littéraire autre chose et à travers la linguistique pragmatique et à travers la linguistique de l'énonciation d'aller voir autre chose. Merci vraiment. Merci. Surtout, si je peux rajouter quelque chose, Katka, merci. Surtout, ça permet de travailler plus en détail hein, ce dont on a parlé déjà aujourd'hui, ce dont j'ai parlé moi, ce dont Maria nous a également parlé. Voilà, sur de courts extraits, on peut analyser cela, les différentes voix, les connotations, enfin le subjectif. Voilà, donc, Et on peut s'accrocher sur des éléments linguistiques minimes, comme tu as dit, qui devient réducteur, d'accord. Ou pour les stéréotypes en « donc » et « pourtant ». Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on peut s'accrocher sur... des moyens linguistiques, vraiment un matériau linguistique minime, par exemple, pour pouvoir aller vers les choses grandes, disons, pour pouvoir aller vraiment aux observations qui pourraient être très, très intéressantes du point de vue de l'interculturel. Déjà, quand on travaille avec les connotations, par exemple, connotations positives, connotations négatives, voilà. Il y a des remerciements même dans le chat. Je remercie encore une fois Maria et Katka pour leur présentation instructive. Voilà, bon, fin de journée, à demain, c'est Johanna qui écrit. Oui, merci à vous tous et toutes pour avoir tenu jusqu'à ce moment. Et je crois qu'on se revoit demain pour la conférence de notre collègue Madame Alinowska, c'est ça?
Oui, je dois la contacter pour pouvoir encore se rencontrer ce soir. Et voilà, on vous invite demain à 10h. Nous, on se connecte avec Madame Malinowska, comme elle vient de l'Est de Slovaquie, justement, de Prešov, donc déjà à 10h moins le quart. Mais sinon, pour les autres, le lien est valable sur le programme qui vous a été envoyé. Et on se voit de 10h. La conférence durera à peu près 1h30 et ensuite, il y aura une demi-heure pour pouvoir poser des questions s'il y en a ou pour pouvoir de faire les remarques. Donc, on se voit demain matin à 10h. Merci beaucoup et au revoir demain. Oui. Mais surtout, merci beaucoup. Merci, chers collègues. Merci, les étudiants. Vous avez préparé vraiment des contenus très riches et très intéressants, très variés. Je crois que c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça nous permet de voir plusieurs possibilités d'entrer dans cette littérature et de travailler. Donc, merci, un grand, grand merci pour tout. Pour toutes les présentations, tous les contenus et toutes les réflexions que nous avons pu faire avec vous. Et merci, Bernadette. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.